Tu m'as pris en faute. T'en es noir. Ouais. Oh. Une refus. Bon, salut les amis. Salut à tous. Cette vidéo, on s'était dit que qu'on allait partager en fait des quelques vues sur la côte d'Azur. Voilà. Partage des photos, d'images de ce qu'on a pris. Plus partage de pour les personnes qu'on vit de découvrir. Après, on a surtout envie de partager le pécontentement sur les ventilos. Ouais, on a acheté 3 ventilos. Et 3 différents. Et là, c'est la merde. Vous pouvez regarder la vidéo maintenant. Maintenant, voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc, dans le milieu. Ou à la fin. Pour parler des ventilos. On va vous présenter 3 ventilateurs. Tu vois, là, c'est bien, là. Hein, ça te va ? On partage pour moment à Côte d'Azur. Voilà. Et du coup, on en fait profiter pour tout le monde. Et puis, sinon, en fait, on n'est plus sur la Côte d'Azur. En fait, on est en Italie. Et voilà.
prends un cours. Tu vas essayer de sortir là ? Ouais. Après ça. Ouais. Ça va pas être ça. C'est comme des cochons. T'attends qu'il chauffe là ? Ok. Bah tu me dis quand t'es prêt. Justement, on essaye. Non, moi je m'en vais. Si c'est bon. Je t'aide à ressortir là. Putain. Ouais, ah, 3 ventilos qu'on a testé. Trop différents. Bon, après, tout le monde veut avoir des ventilos. On voit tout le monde avec des ventilos dans les camping-cars. J'avais envie donc d'en avoir aussi. Et je me demande ce que les tout-petits peuvent donner, parce que déjà, j'en ai un, il n'est pas tiré. Hein. Donc, bah, le petit, je m'en suis servi un peu comme rasoir, éventuellement. Et le reste. Ouais, bah justement, c'est bien le problème, c'est que c'est pas étudié pour. Donc celui-ci que Nico voulait poser donc ici. Sauf que au final, en fait, même assis juste en face, on ne le sent pas. Donc celui qui est assis au niveau conducteur, c'est même pas la peine. Quoi. Et c'est juste on ou off et il fait absolument rien. Enfin bref, diamètre. Donc il existe encore plus petit, donc là les autres, je sais pas à quoi ils peuvent faire servir, hormis se les tenir dans les mains. Ah oui, non, c'est... C'est trop petit pour que ça pulse suffisamment loin. Donc voilà. La photo d'achat où on arrive à les poser juste à côté de l'ordinateur et on sent l'air... On l'a quand même payé... 10 euros. Donc c'était le premier qu'on a, voilà, qu'on a testé pour vous, et c'est nul à chier. Donc deuxième ventilateur qu'on a testé aussi pour vous. Donc c'est un petit ventilateur où on met de l'eau dedans et ça fait bromisateur en même temps. Filtration d'air, très important. Mais voilà, donc ça fait ça marche. On peut dire que ça fait pas de vent. Voilà. Donc je disais, deuxième ventilateur, bromisateur,
lumière d'ambiance. Je sais pas si on voit le... Je vois pas le promisateur. Lumière d'ambiance, filtration d'air, mais petit inconvénient, encore une fois, ça prend là, pile poil là, faut pas bouger, hein. Là c'est mort, là c'est clean, là non, voilà, petit inconvénient. Après il fait du froid, certes, le petit brumisateur c'est plutôt agréable, mais pour le reste, dommage quoi. Ça prend que. En face. Faut vraiment être en face quoi, parce que sinon rien quoi. Voilà. Bon bah c'était le deuxième. Ah, 25 euros. Ouais, c'est ça, 25 euros. Voilà. Et le dernier, pour la route. Parce que on s'est dit. Quitte à être en essayer, autant en essayer trois différents. Voilà, celui-ci. Qui, à mon avis, est certainement le plus efficace. L'avantage, c'est que bah, il n'y a pas de fil. Voilà. Alors, on peut le recharger, il se recharge, il fonctionne tout seul. Voilà. Et là, il fait vraiment du vent. Il rafraîchit bien. Et on peut le mettre plus loin. Et on arrive à en profiter à deux. Et on en profite largement à deux, oui. Oui, de mettre, trois, c'est peut-être juste, mais moins deux. Non, mais voilà. C'est, à mon sens, celui qui fonctionne le mieux sur les trois. Alors, il y a toujours mieux, hein, évidemment, mais c'est déjà compliqué de trouver des ventilos 12 volts. En USB encore plus compliqué parce que je voulais pas de ventilateur sur Lucidia, je voulais en USB et après un grand ventilateur sur 220 ça fait peut-être un peu encombrant dans le camping-car, n'est-ce pas? Voilà, celui-ci fait son taf, voilà, pour 20 euros. Bon, c'était notre petit partage sur les ventilateurs. Et vous? Et vous avez quoi comme ventilateur dans votre camping-car? La clim. Ah, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Non, pas nous. Pas nous. Non, mais si quelqu'un connaît des super ventilos, ouais. Voilà. Ou un système rafraîchissant hein, qui ne coûte pas non plus 3000 euros, pourquoi pas? À voir. Voilà, donc vous pouvez nous laisser un commentaire de ce que vous utilisez comme ventilo. Bon allez, on continue la visite Côte d'Azur. Hein. Gonna cry when you are. River's 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 gonna cry when you are.
not, you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, gone. Leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Bon voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Et puis à une prochaine vidéo. Allez. Sur l'Italie. Salut, à bientôt. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.